On a comment fait pour leur passer de la bouffe quoi. On pète une vitre, on. Électricité pour les occupants, électricité pour les occupants, électricité pour les occupants, électricité pour les occupants, électricité pour les occupants. Il n'y a plus d'internet, il n'y a plus rien. Mais comment ils mangent? Ils mangent comment ils bouffent? Vous avez à bouffer? Mais les gars de la sécurité, ils sont cool avec mais eux. Mais comment dire, l'électricité, vous arrivez à faire, faire de la cuisine? Mais c'est des mecs de quartier en plus. C'est bon, ils ont ramené une grosse rallonge pour avoir de l'électricité de l'autre côté. Comment? Un concert de cible. Vous avez un stylo s'il vous plaît? Attends, j'ai... Tu peux me serrer le doigt si tu veux, hein. Non, mais c'est réconfortant. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose de précis? Attends, c'est bon. De nous? Ils ont besoin de nous, mais bon. T'as vu tout sans indiscrétion. Comment, Königshofen? Non, merde. En plus, je suis ton quartier, man. Ils arrêtent pas de nous filmer en haut les corbeaux, il y a plus les RG, maintenant c'est l'audio. S'ils croient qu'on va abdiquer avec des méthodes de, comme celle-ci, là, inhumaines, ils se trompent vraiment. L'électricité. On a remarqué d'abord c'était la prise sur laquelle on a un frigo. Ils nous ont viré l'électricité dessus. Ensuite, ça a été... Écoutez, s'il vous plaît. Ensuite, ça a été la prise sur laquelle on mettait la chaîne IFI. Je veux témoigner, j'y étais. Vous jugez, vous n'y étiez pas, j'étais dedans, je peux porter ma voix. Ensuite, on a essayé de prendre des syndicats par un téléphone. Ils ont bloqué la ligne. Ensuite, ils ont fait sauter les plombs du BVE. On n'avait plus internet. Non, vous écoutez. Je peux vous montrer ce qui s'est vraiment passé. Ensuite, on n'avait pas d'électricité. Un peu plus tard, on n'a pas eu de chauffage. Hier soir, on est resté, on a dormi sans chauffage. Et ensuite, ce matin, les vigiles ont reçu l'ordre de ne pas laisser entrer jusqu'à 9h. 9h, il y avait une réunion d'administration pour décider quoi faire. Nous, on était dedans, on ne pouvait pas vous ouvrir, on voulait vous ouvrir. Voilà, donc maintenant, on n'est pas les méchants étudiants. Là, c'est l'administration. Et leur but, c'est de diviser et d'augmenter les tensions. Là, vous jouez leur jeu. Vous augmenterez les effectifs, on aura plus de poids, parce qu'à 20, franchement, on subit des tensions terribles des fois, et on ne peut pas résister. On n'est pas assez. Alors, venez juste une nuit pour nous soutenir et pour qu'on puisse se reposer aussi. Merci. Ce qui est marrant, c'est quand je dis, et quand ma collègue a dit avant, qu'on a coupé le téléphone qui est dans le bureau de la vie étudiante, qui est un droit étudiant, quand on a coupé Internet qui est un droit étudiant, je vous entends faire « Oh, les pauvres garçons, mais si ça se passait chez vous, vous en auriez rien à foutre ?» C'est incroyable. Et là, vous vous désolidarisez. Là, vous montrez que vous ne protégez pas vos droits et vous ne protégez pas les droits des étudiants. Le CPE, le contrat première embauche, est un nouveau contrat destiné aux moins de 26 ans et qui permet aux employeurs de garder un jeune salarié pendant 2 ans en période d'essai, période pendant laquelle il peut être licencié sans motif et quasiment sans indemnité. Voici les inquiétudes qu'il suscite pour nous.